Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de me réveiller. C'est une journée bien spéciale parce que Instagram contrôle ma journée. Wouh! Même Louise est contente. Bonjour. Bonjour. Oh, t'es trop belle. T'es trop belle. Wow. Allô, my love. Bonjour, mademoiselle. Comment t'es beau? Bon matin. Comme première question de la journée, je vous ai demandé, est-ce que je prends une douche chaude ou une douche froide? J'espère vraiment que les gens de mon Insta sont quand même sweet, là. Fait que là, je suis dans ma salle de bain, prête à prendre ma douche. Puis je vais aller voir si les gens ont été gentils ou s'ils veulent me voir souffrir aujourd'hui. Évidemment, j'ai l'impression que je connais déjà la réponse. Oh mon dieu, c'est vraiment stressant. Guys! Les gens de mon Instagram ils ont choisi douche chaude. Checker! 55% douche chaude. Oh my god, merci! Je capote! Ok, ça commence bien la journée. Je m'en vais prendre ma petite douche chaude. Puis je vais tout de suite mettre le deuxième sondage. Est-ce que aujourd'hui je m'habille en mou ou je m'habille comme si je m'en allais dans une soirée quand je vais nulle part? Fait qu'on va voir ce que les gens vont dire. Sentez-vous ça? C'est l'odeur de la fierté. Bon, je viens de sortir de la douche. Ça l'a full fait du bien. J'ai toute la peau rouge parce que j'ai pris une bonne douche très très chaude. Je vais regarder si aujourd'hui je m'habille en mou ou comme si j'allais en soirée. Laissez-moi vous dire que j'aimerais ça m'habiller en mou. Je suis pas stressée, genre. Comme si c'était ma vie qui en dépendait, là. Fuck. 51% en soirée, 49% en mou. Ah! J'ai pas d'âne! Oh my god, ok. Fait que je vais m'habiller comme si j'allais en soirée, donc comme je m'habille d'habitude. Puis je vais tout de suite partir le prochain sondage qui est est-ce que je me maquille ou est-ce que je ne me maquille pas? Fait que c'est parti, je vais faire ça. Fait qu'on va voir ça dans 10 minutes. Fait que je m'en vais m'habiller en soirée puis on se retrouve rendu là. Voici mon look de soirée. Ça fait soirée d'été. Je pourrais m'habiller de même pour sortir en été. Je trouve ça super beau. J'aime fou la coupe. Fait que là, on va aller voir si les gens ont décidé si je me maquillais ou si je restais comme ça. Tant qu'à avoir une robe comme ça, j'aimerais mieux pas me maquiller pour que ça fasse comme journée d'été, relax, ça se met une belle petite robe d'été cute. Mais bon, on va voir ce que les gens nous réservent. Yeah! Bon, fait qu'on va regarder si les gens ont décidé que je restais au naturel comme ça ou si je me maquillais. Fait qu'on va aller voir ce que les gens ont répondu. Oh! 51% veut que je me maquille. Pas! Regardez, 51% des gens veulent que je me maquille contre 49%. Yay! Bon, fait que voilà mon petit look final. J'ai pas fait quelque chose de trop compliqué. Je me suis mis ben naturel, comme d'habitude. Fait que mes petits yeux comme ça. Puis je me suis mis un petit peu de bronzer. Puis là, j'ai des petits boutons ici, mais bon, c'est pas grave. Ben voilà, fait que là, je m'en vais voir. En fait, je vais regarder tout de suite. Mais je regarde si ce matin, je mange des crêpes ou si je mange un déj traditionnel comme j'ai l'habitude de faire. On va aller voir ça. Des crêpes! Je mange des crêpes à 74%! Le monde avait vraiment envie que je mange des crêpes. Je vais avoir faire des crêpes! Je vais être yay! Bon, fait que on se retrouve en cuisine pour moi qui va préparer des bonnes petites crêpes. Fait que pour préparer vos crêpes, j'ai pris la recette de crêpes de base de Ricardo. Il va falloir de la farine tout usage, du lait de votre choix. Moi, j'ai pris du lait d'amande, du sucre, du sel, des œufs. C'est ça. Vous mixez tous les ingrédients ensemble. Je vais vous mettre la recette en barre d'infos. J'ai vraiment faim. Ça va être bon, des bonnes petites crêpes. Ça fait full longtemps que je n'ai pas mangé en plus. Let's go! Miam, miam, miam! Yum, yum, yum! Bonjour Louise! Oh, t'es bien! Des belles petites crêpes! Oh yeah! Tiens, ma love!
sans bobette. On te voit pas. We don't see my bobette? Non. Very fun. Fait plaisir, my love. Ah, c'est full beau en plus. Is it as good as beautiful? Yeah. Comme toi. Oh, t'es cute. Bon appétit, my love. This morning, I got a different breakfast. Oh, yeah. If you know what I mean. Oh, mon Dieu. Que tu dis-moi ce que t'entends. I ate candy this morning. Sorry, I get to play good, my love. Oui, ben non, voyons, pas de stress. Bien joué. Ils sont pas vegan, hein? Non, ils sont pas vegan. C'est bon. Oh. Bon, fait que c'est l'heure de manger mes crêpes. J'avais tellement faim, checker ça. J'ai pas réalisé à quel point c'est long de faire des crêpes. Je remercie mes parents de m'avoir fait des crêpes plus jeunes. Oh mon god! Là, j'avais fait un autre sondage pendant que je faisais mes crêpes. J'ai proposé aux gens si j'allais me chercher un café au McDo ou au Starbucks. Laissez-moi vous dire que j'aimerais mieux Starbucks. Mettons au McDo sont bons, juste un café noir. C'est café filtre noir. Mais au Starbucks, ils ont de quoi là? C'est bien meilleur. Let's go! S'il vous plaît, Starbucks. Yeah! On s'en va au Starbucks! Oh yes! Regardez, 76% Starbucks. Oh yes! On s'en va au Starbucks! Wouhou! Je suis bien contente, fait que je vais venir de manger mon dess. Puis après, ben, on s'en va au Starbucks. Oh yeah! Désolée d'avance la gang, mais quand je mange des crêpes, c'est comme ma tradition. Hein. Il y en a qui vont écrire. C'est pas poli. Je suis seule. Ok! Fait qu'on s'en va chez Starbucks. Let's go! Avant d'aller au Starbucks, je vous ai demandé en sondage si je donnais 20$ ou 100$ de tip aux employés du Starbucks. Pour vrai, je vais tout le temps chez Starbucks puis je les aime assez, les employés là-bas. Je vais comme à plein de places différentes puis ils sont toutes comme fucking sweet. Fait que je me suis dit qu'un petit cadeau comme ça, ça ferait pas de tort. Puis pour vrai, ça peut faire du bien. Mais c'est sûr que vous avez choisi ça, là. Je peux pas croire, vous êtes trop gentils, là. Vous êtes ma communauté, vous êtes gentils. Hein? Ben voyons donc, il y a 52% de gens qui ont voté pour 20$ et 48% pour 100$. What the fuck? Bon, ben I guess que ça va être 20$. Mais c'est quand même cool là, 20$ aussi là, je veux dire, tu sais, sachant que c'est un petit drink, c'est quand même cool. J'arrive dans pas long au Starbucks, en fait dans 2 minutes. C'est vraiment rare, mais il y a comme fucking pas beaucoup de monde. J'avais demandé un autre sondage avant d'arriver. Bon, merci Cyril. Se trouve sur votre droite. Bon, dans le fond, j'ai demandé aux gens de choisir pour moi entre matcha glacé ou café glacé. Fait que c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Fait que je me faisais regarder croche, mais bon. Bad là, à un moment donné, là, I have a work to do. Yeah! Yes, j'ai tellement les best. Checker. Café glacé, 70%. Salut, ça va toi? Je viens souvent là, pis il est tout le temps là, pis il est full gentil. Fait que vu que vous êtes des cheap, je vais donner 20$. Bon, c'est le 20$ qui va le moins bien au monde. On donne-tu 40 pour être gentil? On va donner 40 là. De toute façon, c'était pas mal 50-50. Fait que je vais donner 40. C'est excitant. Je suis stressée, je sais pas pourquoi. Oh yeah! Salut! Ça va? Oui, toi? Bien, merci. C'est 6,61. Oui, ça va être avec l'appli. Merci, tiens. Oh, oui? Oui, c'est pour toutes vous. Oh, merci. Ça me fait tellement plaisir. Je viens tout le temps ici. Je vous aime. Vous êtes incroyable. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Passez une excellente journée. Oh, merci. Merci. Bye. Merci. Oh, il était trop cute. Guys, il était trop gentil. Ouais, j'ai ce camion là. Tu veux y aller, Esti? J'en reviens du Starbucks. Là, j'ai demandé aux gens si je devais aller courir ou faire 100 burpees. J'ai comme l'impression que je m'en vais faire des burpees. Ça me tente fuck all, mais il faut bouger dans la vie. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes quand on va avoir la réponse. Ben, je suis assise sur mon divan, pis là, vous allez me faire bouger! My love, tu veux-tu dire bonjour? Je suis occupé, j'allais travailler, le full-time streamer, twitch.tv/mattpellerin. Hey, salut, il le colle dans toutes les petites vidéos. Ok, maintenant que ça s'est dit, on va aller voir si je cours ou si je fais 100 burpees. 100 burpees, j'ai jamais fait ça, là. C'est sûr, c'est fucking tough, là. Ben voyons donc! Je m'en vais courir, la gang! 59% course, 41% burpees. La gang, là, je pense que vous m'aimez trop. Dis la fille full prétentieuse, vous m'aimez trop. Bon, fait que ben je vais m'habiller en linge de sport, puis ben je vais aller courir. J'ai décidé que j'allais aller courir avec Loulou. Loulou, t'es-tu prêt? Yay! Yeah. Bon. Bungee, guys. J'ai fait du bungee. C'est quand tu fais du bungee? C'est vrai, tu le sais pas! J'avais le clou faire du bungee à une date inconnue.
Non mais, arrête de me stresser. Puis le saut en bungee, on est sérieux? C'est un peu too much là. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer mon autre sondage qui est: je me prépare à manger à l'aveugle ou de façon normale? Si c'est à l'aveugle, faut pas que je me coupe. Let's go, let's go. Courir avec un chien, c'est vraiment pas évident. Il était ma chouette! Hello! Elle aime trop nager, elle est trop mignonne. C'était pas évident, mes quiz. But we did it! Bon, comme je suis allée courir, j'ai décidé de me laver. Donc, je me suis toute démaquillée parce qu'on dirait que y a rien de pire que comme rester toute la journée dans ta sueur. Puis aussi, je fais beaucoup de boutons dans le dos. Fait que là, j'étais comme, ah, j'ai pas le choix d'aller me laver. Puis là, c'est pas mal l'heure de dîner. Il est 14h. Ouais, je dîne tard, mais c'est tout le temps ça mon horaire. Je dîne tout le temps dans ces heures-là. Fait que je vous ai demandé si je cuisinais à l'aveugle ou si je cuisinais de façon normale. Là, j'espère que vous avez choisi à l'aveugle. À un moment donné, on peut-tu avoir du challenge ici, là, sur cette chaîne? Est-ce que je vais cuisiner à l'aveugle? À l'aveugle, oh yeah! Regardez, 67% à l'aveugle, 33% normal. Fait que je vais mettre un petit flore pour cuisiner à l'aveugle. Un petit sandwich aux oeufs, à côté des cocombes. J'espère que vous allez me voir. Je vous promets, je vois rien. Je vois fuck all. Je sais pas vous êtes où, mais je vois fuck all. Fait que là, je vais aller chercher des gaufres. Oh, merci. Et merde. Et boy, j'ai peur. Ok, les bagels, wouhou! Ok, vous me direz si vous aimeriez que je fasse un 24 heures aveugle. Je vais le mettre dans le toaster. Ok, là ce qui va être un peu complexe, ça va être de faire les œufs. Là je sais que tantôt j'ai lavé la poêle. Oh mon dieu, je vais pas me couper par exemple parce que je sais qu'il y a des couteaux. Ok, fait que la poêle est ici. Je sais même pas si vous me voyez là. Ok, fait que la poêle on la met sur le feu. Faut juste que ça soit à la bonne place. Me voyez-vous? Le feu, je le pars. C'est calé l'huile. Ok, l'huile. Demain, je vais aller vous chercher, ok? Je vais aller vous chercher. Vous êtes où ici? Ok, vous êtes là. Je vais aller me chercher un œuf. Rien. Bon, les œufs. On a ici. La poêle est assise. Je verrai pas s'il y a des. Ah, ok. Louis? Qu'est-ce que tu fais? Oui? Hey boy, comment je vais flipper un œuf? Sel, poivre. Ça, c'est le sel, c'est sûr. Oh, c'est ça. Ça, c'est le poivre. Ouais, c'est poivre. Là, il va falloir que je coupe mon cocon. Mon cocon. Bonjour. J'ai tout ici? Ça serait malade si j'ai réussi de même. J'espère vraiment que vous me voyez, là, sinon c'est fucking chiant. Là. Faut un couteau. Ça, c'est l'huile. Mon couteau. Bon, ça va être ça. Je vais vous tasser. Vous êtes là. On va vous mettre de même. On veut le fromage à la crème. C'est quoi ça? Ok, fromage à la crème. Il me faut un couteau là. Hey là. Oh boy. C'est même pas évident. T'as un peu là. Y'a rien dessus. J'ai niaisé le sucre. Ah fuck, j'en ai trop mis, je pense. Ça sent bon en tout cas. Ok, ça même. Hein? Oui! Il manque plus qu'à mettre l'œuf. Sérieux, si j'ai réussi à flipper l'œuf, je vais capoter là. Oh oui, je voulais des cornichons. Oui, c'est ici où est-ce qu'on les a mis les cornichons. Regardez. Ça, frigo, là. Ils sont ici, je pense. Je sais parce que je les ai rangés hier. Ça sent un peu brûlé, je vous avouerais. Oui! Déjà que j'ai de la misère à marcher là. Et merde! Bonne chance, ils ont pas écrit quelqu'un. Voilà la gang! C'est ce qui complète le dîner fait à l'aveugle. Je vais m'ouvrir les yeux voir comment j'ai fait. Okay. What the fuck? Oh mon dieu, vous êtes là, Seigneur! Checké! J'ai réussi à flipper mon nez! Voyons, je suis bien bonne! On va manger! Je suis tellement une queen! Yeah! Bon, fait qu'on mange le repas que j'ai fait à l'aveugle. Je suis quand même fière de moi. Je viens de finir de manger et j'ai demandé aux gens si j'avais le droit de me prendre un dessert. J'espère qu'ils ont répondu oui. Oui! J'ai le droit! Regardez! 82% oui! Je vais me prendre un strudel. Oh yeah! Wouh! Wouh! Je suis avec le copain!
Bonsoir, bonsoir. Là, on se prépare à manger, puis ouais, évidemment, ouais, tout a l'air fucking bon parce que nous, on mange du cookit, là. Claude 40. Bon, Claude 40. J'allais te demander c'est quoi ton Claude 40. Fait que là, je m'en vais voir parce que j'ai demandé si c'était moi ou Marc qui allait cuisiner. Ça serait le fun que ça soit Marc parce que moi, je pourrais, pendant ce temps-là, faire du montage. Puis, en même temps, on va regarder si ce soir, j'ai le droit de boire une à deux consommations ou si je ne peux rien boire. Décevez-moi pas. Mathieu! Tell me something I don't know. Attends un peu, je vais leur montrer. 84% Marc. Fait que t'es pas trop déçu, là. C'est évident. Ben toi, t'as le droit à une bière pendant que tu cuisines. Qui de deux devrait faire du bungee? Of course, ça va être quoi? C'est sûr qu'il aurait voté moi, là. Fait que là, est-ce que j'ai le droit à une consommation ou pas? Yeah! Je peux! Regardez! 78%, 1 à 2 verres, 22% rien. Merci la gang! Mais allez me prendre une petite white claw! C'est déjà mon tout! Non! La dernière fois, moi pis Marc, on s'est torchés là, c'était vraiment pas cool. Tu t'es torché pis j'étais là. Ouais, je me suis torché tout seul. C'est plus ça, mec! Non, c'était épouvantable. En tout cas, on s'est fendu la gueule pis moi j'étais présenté. Oh non, c'était l'enfer. On mange la poutine! Miam, 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 miam. Tu couperas les oignons en petits, hein? Cheers, ma love! Cheers, mon amour! Cheers! Yeah! Miam, miam, miam! Pour vrai, guys, j'ai quasiment envie de vous dire que ça se termine là, la journée, parce que déjà rendu 8h30. J'espère vraiment que vous avez aimé la semaine. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. C'est des trucs que j'aimerais refaire plus souvent. Merci pour cette belle semaine, vous m'avez encouragée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, je vous aime d'amour, puis vous êtes full important pour moi. Merci de me faire, de me permettre de me dépasser moi-même. En fait, c'était comme une des semaines que j'étais le plus motivée depuis la pandémie. Puis je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais un objectif. Des objectifs comme ça, je vais m'en fixer plus souvent. Que ben, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Je vous aime d'amour. Puis ben, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime. Bye. Ok, ciao. On se revoit la prochaine, les chums.